Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. Noir de barbe et de nuit, hirsute menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang. Parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles. Y chercher un effet de peur sur les passants. Nous sommes fiers. Nous sommes très fiers. Nous, issus de l'immigration, qu'elle soit arménienne, espagnole, juive, italienne, bulgare, hongroise, nous sommes fiers de ceux qui n'avaient même pas la nationalité française et qui pourtant ont pris les armes pour défendre et vaincre la bête immonde, le fascisme. Émotion en pensant à ces valeureux combattants à qui nous devons notre liberté. Ceux qui ont été exécutés pour 22 d'entre eux le 21 février 1944 et décapités le 10 mai suivant pour Olga Bancic. Ces résistants étaient étrancs, membres des francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée au sein desquels elles et ils ont défendu notre peuple, notre pays, notre patrie. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient le cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.